Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de battre le record du monde de traction en une minute parce qu'il y a plusieurs types de records du monde de traction. Il y a le record du monde de traction en une heure de temps, en 30 minutes, en 4 heures de temps même. Voilà, il y a plusieurs types de records du monde de traction. Donc là aujourd'hui c'est celui d'une minute que je vais essayer de battre. Mais avant ça, on va aller voir un peu mon adversaire. Donc le Singapourien Joachim Yong est entré dans le Guinness Book des records avec une performance musclée en une minute. Il est parvenu à passer 44 tractions au-dessus de la barre. Donc si je récapitule, je vais devoir faire plus de 44 tractions en une minute. Je peux vous assurer que ça va être chaud, mais je vais le tester quand même. On sait jamais. Mais avant ça aussi, je vais vous demander de vous abonner, de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de la partager avec vos potes. Donc là, sur ce, on va commencer. Bon, j'ai pas pu battre le record du monde de traction qui était de 44. J'en ai fait 28 en une minute. C'est pas pour vous trouver des excuses, mais je vais vous donner quelques explications quand même. Déjà, le premier point, c'est que je travaille jamais mon endurance musculaire. Alors que pour faire énormément de répétitions, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est de travailler sur l'endurance. Alors, ça n'a rien à voir avec la force et l'endurance. C'est quelque chose de vraiment différent. Donc, moi, je travaille quasiment jamais mon endurance musculaire. Et le deuxième point, c'est que c'est ma barre. Ma barre est vraiment haute, elle fait au moins 2 m 10, 2 m 20. C'est encore plus dur de faire des tractions là-dessus, ça essouffle carrément. Mon maximum de traction, moi, normalement, c'est 30. J'en ai fait 25 sur cette barre, vous l'avez vu. Donc, c'est pas pour trouver des excuses, mais... Bon, j'avoue que même si je l'avais fait sur une barre normale, j'aurais pas pu faire plus de 44 tractions en une minute. Mais c'est pas grave, je me laisse un défi. Je vais vraiment m'entraîner là-dessus et... Qui sait, peut-être la prochaine fois que je ferai une vidéo là-dessus, je serai le prochain champion du monde de traction. Donc, allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Allez, sur ce, check.